Yo, check, check. Oh. Studio, tu es cinglé le petit niveau 1 cinquième mois dès les premières secondes du live pour me dire que le son est bon. Bah écoute, ça fait plaisir, n'hésitez pas à faire des sound checks de qualité comme ça. Merci Ui Studio pour ton soutien. Salut Pastel Shy, installez-vous tranquillement. Bienvenue dans l'open space digital nomade, bien sûr. Installez-vous, il faut que j'aille chercher ma clé café pour vous offrir un petit café, bien sûr. Je reçois 5 sur 5, merci beaucoup Lunat. Je suis triste de te dire que la banane est encore KO malgré toutes ces impulsions qu'elle a reçues. Elle est de plus en plus faible. Quand je touche l'USB, elle clignote, c'est peu rassurant. Adieu bien sûr dans un incendie. Yeah.
c'est Rubéus sur la Bastille FM. J'espère que vous allez bien. Voilà, je me présente, je suis garde-chasse, gardien de Poudlard et puis plus récemment professeur de soins aux créatures magiques. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie un gros Angèle parce que je la trouve plutôt voilà, plutôt sympa. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ma chourave est arrivée. Je dois vous laisser. À tout de suite. Salut tout le monde, on démarre dans 5-10 minutes, let's go! Show. She takes a long, standing in the crowd. Look up.
guess your pretty fantasy what these words. He was a skinner boy, so says the other boy. He was in beauty, not for her. Now he's a superstar, playing on a guitar. Guess your pretty fantasy what these words. Merci, Yaya, pour ton cinquième mois. Let's go, le Bastipot. Merci beaucoup pour ton soutien. J'adore vraiment cette petite cover parce que il y a un petit accent, je sais pas, peut-être c'est asiatique, je crois, avec la langue anglaise qui est très très cool. Salut à tous, salut Piouf Piouf, salut Yaya, merci pour ton Prime, merci beaucoup. Anime, j'ai enfin assez de bastiquer pour avoir ces émotes. Super Anime, ça fait plaisir, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. J'attends juste l'heure du design et j'y vais. D'accord, mais avant l'heure du design, on va remercier Oasis de Citron pour son Prime. Bienvenue à toi. Tu peux jouir normalement de toutes tes petites émotes. Merci pour ton soutien, merci pour ton Prime. On va s'écouter, les amis, le nouveau son Summer Heat Mojito Beach Casual Sunday Sunny Chill Out de 10 de Der. Point d'exclamation 10 de Der dans le chat. SVP, on s'écoute tout de suite le titre qui s'appelle Virgin Mojito Club, bien sûr. Point d'exclamation 10 de Der, je bois un drink tout de suite. We'll be right back.
Et voici, c'était le nouveau son tropical multifruits goyave, bien sûr, de 10 de der. Point d'exclamation 10 de der dans le chat pour retrouver cette chanson. On s'écoute une dernière et on se retrouve. A tout de suite, les amis. Réveille la voix. Hum, hum, hum. 1, 2, 1, 2. Voix du matin, bien sûr. Ah, le micro était allumé. Ah, ok. Allez, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On démarre ce petit Télétra live. Salut Flate, j'avais oublié qu'il y avait très live depuis que j'ai repris les cours. Ah oui, c'est vrai. Bisous du matin, bisous e-studio, comment ça va? Salut Oasis, salut Noiramix, comment ça va? Comment allez-vous les amis? On va se faire un petit Télétra live du matin aujourd'hui, qui s'arrêtera je pense vers 11h30. J'espère que vous allez tous très bien. Est-ce que vous êtes prêts? La forme et toi? Ouais, ça va, ça va. La veste Adidas Stylax, ouais, et je vais l'enlever même. Parce qu'en fait, il fait chaud. Il se met à faire très chaud. Comment ça va, les petits potes? Le t-shirt. T-shirt offert par Luna, d'ailleurs. C'est l'heure du design, les amis. Hop là. Comment ils vont bien? Salut Balix, comment ça va? Qu'est-ce que tu souhaites de beau ce matin? Quoi de prévu dans cette matinée Télétra Live? Hello, j'arrive pile poil au bon moment. Bah oui, bien sûr. Rebonjour à Nîmes. Re. Désolé pour ces petits cheveux mouillés, bien sûr. Salut Emery. Comment il va? Comment elle va? Je ne sais pas finalement. Dans 5 minutes, c'est le début du taf. T'es en télétravail ou en présentiel? Backlog refinement pour Balix. Moi, je regarde YouTube. Ok. Ok, je suis masculin. Emery, masculin, ouais. C'est café.
Salut Chinese Man. Salut Daily à 9h30. Aïe. Salut France. Salut Bastmu. Je bosse mon projet Open Classroom. En télétravail aussi. Ok, cool. Salut VLX. Salut Benjamin. Comment ça va tout le monde? Quel programme pour la matinée? Petit RTT. Ah, il fait plaisir. Oral de FR cet après-midi. Aïe. Bon courage, bouclette. Bon courage, bon courage. Salut Koubi. Salut Fred, comment ça va? Est-ce que tu travailles, Fred, ce matin? Qu'est-ce que tu fais de beau? Salut Escape. Daily à 9h30 avec mon équipe de dev, mais je vais réussir à t'écouter en même temps. Une oreille sur le Daily Meeting, une oreille sur le live, bien sûr. Bien sûr que je travaille, bah écoute. En slip, bien sûr, bah comme tous les jours, finalement. Salut Han. Salut VLP, en télétravail aussi, mais je peux regarder le stream du coup. Bah voilà. C'est ça qui est bien le vendredi. Moi je suis en breakdown cet après-midi. Donc on va faire un live que ce matin. Voilà. Désolé pour la petite voix du matin. Vous êtes les premières personnes à qui je parle, donc ça se réveille doucement. Moi en vacances, let's go. Bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors est-ce que vous avez vu un petit peu Anime, j'ai vu tes messages hein. Re, ça fait troisième fois que je dis bonjour. Re Anime, re. Je ne pourrais pas rester, je dois préparer la démo au client cet après-midi. Ah, dommage, Oasis. Merci pour ton passage. OGC Nos, salut. Salut, salut. L'uniforme de télétravail officiel, bien sûr. Premier de tes streams que j'arrive à voir en direct. Ça fait plaisir, bah, hésite pas. Alors, point d'exclamation OGN. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce qu'on allait faire aujourd'hui, les amis? Est-ce que vous avez un petit peu deviné? Salut, je travaille sur le cahier de vacances de KakatoS. Eh bah, bon courage. Cahier de vacances, ça me rappelle des mauvais souvenirs, moi. Alors, est-ce que vous avez vu un petit peu le programme en scred, là? Est-ce que vous avez un peu deviné le programme sur le nom du live ou sur Twitter ou je ne sais quoi? Salut, Cerberus. Les émotes Twitch peuvent être animés. Bien sûr, Flate. Bien sûr, bien sûr. Sur mon propre stream, il y a des émotes animées. Il y en a 3, mais on les a faites vite fait. Sur le stream de Ponce, j'ai travaillé des émotes animées qui sont en ligne sur le stream de Ponce depuis une semaine, que je viens de t'afficher à l'écran. Et là, on va animer les émotes de OGN, exactement Primorux. Et, comme dit Madame Doré, Netflix Figma, qu'on avait un peu commencé... mercredi soir, je crois. Donc il faut que je fasse un peu des deux. J'ai pas de deadline, mais j'aimerais faire un peu des deux pour initier les deux projets. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je serai mieux organisé. Merci beaucoup, Kubi 4 pour ton quatrième mois. Donc 4 mois consécutifs, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, Kubi. Tu as vu les chiffres? Tu as vu les chiffres, Kubi? 4-4-4, quatrième mois d'abonnement, 4 mois consécutifs, incroyable. Merci beaucoup. Salut Maxime. Donc je disais, voilà, je vais essayer de faire un peu les deux sujets aujourd'hui, ce qui sera pas forcément le plus productif. Mais vous inquiétez pas, la semaine pro, du coup, je vais retravailler le planning en fonction de tout ça. C'est juste que là, les demandes sont arrivées récemment. Donc voilà, mais la proc de la semaine prochaine sera mieux organisée. Je me trace, je prépare mon message pour demander l'hébergement chez les chatons samedi prochain. Les étoiles s'alignent, exactement. Oh, merci beaucoup, JLNDR pour ton prime. Bienvenue à toi, tu peux jouir des animations, des émotes animées de mon stream et des autres émotes, bien sûr. Tu préfères avoir un écosystème full Apple ou full Google? Aucun des deux, je dirais. Bah, je suis full Apple sur pas mal de choses, mais j'utilise quand même beaucoup de trucs Google, tu vois. Par exemple, je préfère carrément utiliser Google Drive que Keynote, tu vois. Enfin, ça dépend, mais c'est quand même plus pratique, quoi, pour collaborer avec d'autres personnes. Donc, moute-moute le burnout, Flate. Salut Martin Autor. Après, le problème, c'est pas l'écosystème, c'est plus qu'il soit compatible avec les autres, surtout. Tout simplement. Alors, aujourd'hui, Monsieur Pringle, on va faire du coup les émotes animés de OGN Empires. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent OGN Empires? Moi, je connaissais pas.
et le Busty utilise El Famoso Notion Bad dans des projets. Oh là là, merci beaucoup, Escape. Escape, merci beaucoup pour ton niveau 1, bienvenue à toi. Installe-toi, prends tes petites émotes, dis-moi coucou, ça fait plaisir, merci pour ton soutien, c'est trop cool. Oh, vous êtes trop chaud, ça fait plaisir. Une chaîne à Jump Empire, tout à fait. Et El Famoso Notion, moi je l'utilise pas pour des projets perso parce que j'en ai pas besoin, mais au travail on a un Notion, ouais. Et le train de la hype est lancé, les amis. J'utilise beaucoup Notion. Il fait vraiment pas peur à des personnes qui ne sont pas habituées. Oui, voilà, je suis d'accord. Moi, je préfère complètement Notion à Confluence. Les amis, est-ce que vous êtes chaud pour monter dans un petit train de la hype? Le train de la hype est au 94e% du niveau 1. Si vous voulez, j'appelle le contrôleur SNCF. Il est OK. Il envoie le train, les amis. Monsieur Stan est invoqué par Flight, bien sûr. Le train de la hype est lancé, les amis. Oh, de bon matin. De bon matin, c'est pas facile. Et je suis encore sur le sub goal de juin. Mais on est en juillet. Bravo le con. Mais c'est pas grave. Parce que le train vient quand même, les amis. C'est le moment ou jamais de donner des beats. Donner des subprimes si vous avez Amazon. Et c'est surtout le moment où il faudra remplir l'écran d'un maximum d'émotes. Merci Ozen pour ton prime, très bon exemple. Ça me sauce grave de Rezan à Netflix. Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard. Allez, Toulon! Let's go. Je veux plus voir l'écran, s'il vous plaît. Je veux plus rien voir à l'écran. Allez, reviens dans 2 heures. Je veux plus voir l'écran, SVP. Merci beaucoup, Zoulou. Le train ralentit doucement. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. La pomme de la hype, bien sûr, va être croquée. Merci pour votre soutien, les amis. Il y a plus de moines que chez Pixar, oui, tout à fait. Ah, ils me font chier, mes cheveux mouillés, là. Passer en stream casquette, en petit cheveux mouillés. Jean casquette, bien sûr. Ouais, salut, je suis un jeune. Comment ça va, les jeunes? C'est important de manger des fruits, bien sûr. Ah, la casquette multicolore, j'avoue. Bien sûr. Très délicat toujours de mettre le casque avec la casquette Alice, bien sûr. La pomme de la hype, bien sûr, bien sûr. Il reste 2 minutes 42 de train de la hype. Encore merci à tous ceux qui ont participé pour débloquer une émote qui sera immonde, une araignée, un chien enragé ou un chat complètement déplumé. On dit que la bille ne fait pas le moine, mais moi, on m'a jugé parce que j'avais mis ma casquette à l'envers. Je sais pas moi. On commence quand à travailler? Oh, c'est vendredi vers midi, quoi. Non, on va commencer, t'inquiète. Ah, c'est vous qui lancez des trains de la hype, hein. Alors, je pense que on va essayer de couper la matinée en deux. Je pense que je vais commencer par Netflix. Sachant que vous attendez pas à grand chose dans le sens où... Salut Spawn. Vous attendez pas à grand chose dans le sens où... On va avoir très peu de temps.
Mais on va commencer juste à réfléchir, mais il n'y aura pas forcément beaucoup de trucs visuels de créer. Et après, après la pause, on fera un peu des mots animés. Et pareil, vous attendez pas à grand chose, on va juste un peu setup les projets, quoi. Voilà. Ouais, j'ai envie de commencer par Netflix pendant une petite heure. Ouais. Ouais, on va faire ça, je pense. D'ailleurs, je vais préparer un petit peu tout ça. Tac. Ah, on avait vraiment de la merde. On avait vraiment fait de la merde. C'était vraiment pas ouf ce qu'on avait fait, quoi. Ah, il y a du taf, hein. Salut Grougrou, comment ça va? Ah oui, tiens, je vais vous parler de ça en attendant que le train de la hype ralentisse doucement. Mercredi, c'était la dernière d'Underscore. Je sais pas pour ceux qui connaissent, hein. Et sans crier gare. Salut Bossman, ça va? Sans crier gare. Du coup, je regardais le stream en faisant à manger tranquillement avec Capé, tout à fait, c'est ça, Fly Dixo. Et je vois cet extrait, quoi. Alors, je vais vous montrer. Désolé, hein, ce sera la qualité Twitter, mais vous allez très bien comprendre de quoi il s'agit. Yes, il n'y a pas de son. Attendez. Let's go à carte d'acquisition. Est-ce qu'on peut peut-être le passer à l'antenne et entonner la chanson? Mais allons-y. Attends. Voilà, par Quentin. Incroyable. Franchement, quel, c'est totalement insane. Le niveau de... La tête de Capé. C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Tuez-moi. Et merci pour le train de la hype. Bien sûr, on a gagné un chien tout chelou. Merci beaucoup pour tous les gens qui ont participé au train. Télétravail pour Boss. Bon, bah, c'est cool. La tête du gars, il dit, mais. De patience. De qu'est-ce que c'était que cette merde que tu viens de m'envoyer, Micode? Van à la base. Trop stylé. Et ouais. Pour ceux qui viennent d'arriver. Est-ce qu'on peut être le passage? Voilà, donc en gros, pour réexpliquer un petit peu. Grougrou, il travaille dans l'équipe de Micode. Micode a vu que Grougrou avait refait mon setup en 3D pour l'heure du Dasagne. Et il l'a passé dans Underscore pour dire, regardez, ce fou, à la base pour une blague, il a refait tout ça et c'est propre de ouf. Et moi, ce qui me tue, c'est à la tête de Capé en mode, mais genre une fois que ça passe, quoi. Donc là, c'est l'heure du Dasagne et tout. Il est vraiment en mode... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi je viens de voir ça, quoi? Il est trop blasé, regardez-le. Genre là, ils rigolent un peu les deux, là. Voilà, je vous laisse sur cette image, hein, qui résume un peu les feedbacks du sur la chanson. Mais en tout cas, encore bravo à Grougrou, bien sûr. Allez, c'est parti, les gars. C'est parti. On va passer sur le Netflix tranquillement. Et après, on fera un peu d'émote animé. Point d'exclamation Grougrou, bien sûr. Alors, regardez la merde qu'on avait fait avant. C'est une honte. Donc, on va essayer déjà. Oh, merci beaucoup. Oh, iBat. Comment ça va, Baptiste? Merci beaucoup pour ton Prime. Ça fait plaisir. Merci, mon petit pote. Merci d'être passé faire le petit Prime. Ah oui, il y a du montage, hein. Ça, j'ai fait ça ce matin, je me suis levé à l'aube pour vous proposer du contenu. J'espère que ce tweet convertira le maximum de viewers. J'espère que ça roule bat. C'est un chien, le mec. Lol, c'est un chien, le mec. Qui ça? Tu parles de... Capette? Capette? Mais non, bah, il y a le droit de pas aimer, hein. C'est juste que quand t'es dans une émission et que la caméra, elle te filme, tu fais un sourire gêné, quoi. En mode... Let's go, t'inquiète. Bon, c'est parti. C'était... Boum. On va essayer de se faire un petit setup propre pour avancer plus vite. Main color. Ok. C'est moche pour l'instant. Merci Sacha.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. N'hésitez pas, bien sûr, à insulter mon travail pendant que je le fais. Hello, petit rappel de ce que tu as fait sur ce projet. J'ai rien fait, JBDox. En fait, je me suis dit que j'aimerais bien refaire Netflix. Donc aujourd'hui, j'ai encore rien fait. J'ai juste créé des artboards. Pourquoi j'aimerais faire ça? Parce que j'aimerais après le faire en no-code avec Bravo. Bravo Studio, on l'a déjà fait plusieurs fois sur la chaîne. Et le truc, c'est que... comment dire? Il faut que ce soit quand même assez... pas simplifié, mais industrialisable pour que ce soit transformable en Bravo. Donc faut pas faire des trucs trop artistiques, quoi. Tu peux expliquer, nanana, ça c'est bon. Complètement éclaté au sol, bien sûr. Merci. Merci pour vos GG, bien sûr, dans le chat. Merci pour vos GG. Donc là, on a terminé l'appli. Je vous la présente rapidement. Je vous la mets en mode proto quand même, parce qu'elle est terminée. Voilà, ça c'est la page d'accueil. J'espère que vous vous aimez bien, quoi. Voilà. Il y a les players vidéo. Ouais, les players vidéo, ils sont déjà dispo, je crois. Résistant au stress. Ouais, t'inquiète. Quand tu streams, faut être résistant au stress. C'est assez épuré, magnifique. Merci pour vos GG. Non, mais, merci pour vos GG dans le chat. Non, mais blague à part, il va falloir qu'on trouve un délire. Attendez, j'avais fait des dessins sur un cahier. Ils sont éclatés au sol, mes dessins aussi. Très propre, merci, merci tout le monde. Ah, on n'a pas encore décidé du nom de l'appli, j'avais mis Bass TV. En gros, il faudrait que je fasse une tab bar. Tac tac tac. Je vais aller chercher des icônes gratuites dans Community pour démarrer. Par exemple ça. Je m'en fous en fait, je veux juste avoir un setup. Pas mal en fait. En vrai je vais les prendre, je les vole. Après c'est un freebie hein, mais je vole un freebie. Hop. On va essayer de faire une genre de tab bar quand même. Donc comment on va faire? Attendez, on va prendre un picto. Par exemple le picto home. Tac, take me home. Hop, on va créer une frame. Boom. On va ajouter on va mettre 90 white. Ok, on va rajouter un texte tab item. Je suis en quelle fonte là? Épilogue, why not, why not? Possible d'avoir les éléments plus gros. Quels éléments, Antoine? Salut Graphic Art, impressionnant, simple, ça donne envie de s'abonner. Ouais, Graphic Art, est-ce que tu peux coder peut-être ce qu'on vient de faire là? Directement. Voilà, je vais setup des couleurs rapidos. On les changera plus tard. 00 black. Donc là, on va mettre aussi le black. Ça, tac, tac, tic. Hop, donc ça, ce sera une tab item. On va faire un composant. Tab bar item. Et en insérant plusieurs tab bar item dans un auto layout, on aura une tab bar, les amis. Ça, c'est très classique, hein. J'ai pas pigé le no-code, bravo, tout ça. Quelqu'un m'explique. En gros, tu peux transformer aujourd'hui une application, enfin un prototype Figma en un vrai appli. Si tu sais, si tu comprends pas, va checker sur ma chaîne YouTube. Tape Bravo Studio, tape no-code, tu vas trouver. C'est vectoriel, bien sûr, regardez. On peut zoomer à l'infini. À l'infini pour cent, comme on dit. Donc, oui. Full vectoriel. C'est ça qu'on aime aussi. Alors là, je mets ma tab bar en 375 et les éléments, je vais les mettre en fill container. Comme ça, si tu rajoutes une tab, ça se divise. Ouais, les amis, ouais. Et ouais. Tu fais des moodboards avant de commencer la créa? Alors, oui, si c'est un énorme projet. Là, comme je suis le seul client du projet, je vais plutôt, comme tu peux le voir ici, avancer à l'arrache, comme on pourrait dire dans le jargon. Car mon but, c'est juste de faire trois écrans pour préparer une vidéo sur Bravo. Donc, mon but, c'est pas d'être non plus hyper innovant
dans l'appli que je suis en train de faire, mais plus comment dirais-je, refaire un truc un peu différent et le coder, quoi. Voilà. Salut Small. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la barre? T'as pas mon compte? Allez, mettre en haut. Moi, je vais mettre ici, je vais mettre mon compte. Ici, je vais mettre téléchargement. La recherche, je vais la mettre en haut parce que j'aime pas les recherches dans les tab barres parce que ça cache. Ça cache la tab barre. Donc, on va faire ça. Sinon, je vais faire série pour changer un peu. Au lieu d'avoir les vieux onglets en haut là que j'aime pas trop. Film, série, machin. Je vais faire série, film. Voilà, pour changer un peu quoi. Série, film. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans une appli de vidéo? On va mettre. Tiens, ça c'est ma liste. Ma liste de faves quoi. Parce que trop souvent sur Netflix c'est un peu galère de la retrouver. Voilà, après, encore une fois, c'est pas hyper engageant, mais juste j'avais envie de faire ça. Si jamais t'hésites pour la recherche dans la tabarre, il y a un mec qui a fait une super vidéo là-dessus, il s'appelle Basti8 sur YouTube, c'est vrai. Excellente passe D. N'hésitez pas à aller voir cette vieille vidéo sur les tabarres, qui est toujours d'actualité. Bon, bah écoutez, je vais pas me faire chier, on va voler tous ces pictos dans un premier temps. Par contre, il faut trouver des pictos pour films et séries. Ça, je l'ai dans le fion, en fait. Je l'ai dans le yonf. Ma liste, on va mettre un cœur. Alors, est-ce qu'elles sont bien nommées? Love. Hurts. Yes. Boom. Téléchargement. Ça fait plaisir, tout est bien nommé, en plus. Account. User. Voilà. On viendra customiser plus tard, si on veut. Ah ouais, tu tournes le dos et Bastille taf chez Netflix, bien sûr. Film et série, je suis un peu dans le caca d'avoir quand même choisi des tabs film et série. Comment vous différencierez un film et une série? On ne sait pas. Salut Melineco. Bonjour, très cool ce projet. Voilà, c'est un petit projet, vous inquiétez pas. C'est plus aussi pour préparer une vidéo où on se dira est-ce qu'on sait coder, faire un Netflix en no code. Après voilà, vous connaissez un petit peu ce type de vidéo. Et là, j'essaie juste d'avoir une petite base, donc j'en profite pour essayer de faire un petit redesign. Je promets pas de savoir. Je promets pas de savoir le faire, mais en tout cas, je vais essayer d'apporter quelque chose. Ouais. Télé pour la série, clap pour le film. Bah, franchement, allô, tu gères. BLM, une TV, un clap. Bah, tu gères aussi. Merci. C'est quel pack d'icônes? Aucune idée. C'est Basile. Je vais taper icons dans Figma. J'ai pris le premier, j'avoue. Une bobine, ok. Alors attendez, clap. Ok, alors ce qu'on va faire, vous inquiétez pas. Un clap et une TV. Alors TV, est-ce qu'il y a une TV? Est-ce qu'il y a une TV, 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 TV? Ok. Ça, on va dire que c'est TV. On va le refaire. Merde, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, que se passe-t-il, monsieur ça? Donc ça, je vais le renommer TV. Et on va... Ah, d'accord, elles sont pas vraiment en outline. Que se passe-t-il, monsieur Stan? Merci, bien sûr, pour vous, monsieur Stan, dans le chat. Tac. Sinon série, notion de qualité, film, unité. Ouais, j'ai hésité à faire ça aussi, un stack de plusieurs trucs, mais en fait c'est pas mal l'idée de la TV tout ça. Mon antenne elle est pas ouf, on a peut-être pas besoin de mettre une antenne non plus. Et là TV, et l'autre c'était quoi? Clap. Alors, on va essayer de faire un clap. Clap. Mais non.
Hagrid. Salut Ben, Maxime Ben, et toi Hagrid, tu regardes quelle série Netflix en ce moment? J'aime beaucoup regarder Desperate Housewives. Ces petites histoires là de quartier, c'est vrai que ça me divertit beaucoup, je regarde ça avec Madame Pomme Fraîche. JPP. Il faut que je trouve du lore Harry Potter écrit sur ma table. Madame Pomme Fraîche, bien sûr. Je sais pas d'où c'est sorti. Merci Maxime pour cette question incroyable. Pourquoi tu ne fais pas tes icônes sur Illustrator? Bah parce que y a pas besoin. Ça va aussi vite ici, regarde. Pouf, pif, pif, pouf, pouf, pif, 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 pouf, pif, pif, pouf, 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 pif. D'ailleurs, c'est du 1.5, on dirait. Merci beaucoup, Turbulence. Merci beaucoup pour ton prime, ça fait plaisir. Tu peux jouir de tes émotes désormais. Salut, Ui Lasagne. Le labo de Tau, les UI de manière générale, comment vous gérez la longueur des labels dans les tabs, etc. Bah, il y a une taille minimum, et après, sur les devices, ça passe en 3 petits points. Donc, il faut plus taffer le UX writing pour que ça rentre aussi. Hein. Je pense. Il est pensé. Pensé aux portes, bien sûr. iOS est 42 pixels. C'est nouveau le slider corner smoothing. Non. Non, non. 42 pixels? Non, moi je fais des 24-24, mais après ça dépend, je sais pas trop en vrai. Ah, par contre c'est chiant ça. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ok. Vous faites quoi de beau? Là, on fait une petite maquette d'idation Netflix, on va dire. Et après, on fera encore des émotes animés. Ça, c'est pour préparer une future vidéo que je ferai peut-être pour faire du no-code avec ça. X, Y. Et les émotes animés, c'est une commande, tout simplement. Même purement et simplement. Ouais, ça casse les pieds, ça. C'est là. Bonjour, Newt Pomme. Je vais d'ailleurs manger une petite pomme pour toi. Ouais, j'avais pensé faire une vieille télé avec des antennes, ouais, peut-être. Mais ce que je vous propose en vrai, c'est de pas trop nous attarder sur ça. Parce que là, on va essayer surtout de setup une appli. Après, je viendrai cleaner un petit peu tous les trucs à l'intérieur, quoi. Ok. Là, j'essaie de faire un. On va dire que c'est un wireframe, d'accord. Et on viendra redesigner chaque élément.
Du coup, là, je prépare un composant un peu wireframe, d'accord? Pour un peu juste imaginer l'appli à quoi elle pourrait ressembler, d'accord? Donc là, je vais mettre genre film, série, search, détail série. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en vrai. Donc là, hop. Donc, ma tab bar, je vais lui rajouter du padding bottom. Et on va surtout la switcher en qualité de dark. Hop, 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 hop. Oh merde, il s'est passé. Voilà. Ok. Et on va venir l'insérer là. Ah, je l'ai déjà inséré, je suis tabs. Touk. Lupin, c'est trop bien. Ouais, c'était sympa. J'admire vraiment comment tu construis tes icônes. J'aurais même pas un quart de tes idées. Bon, c'est le chat qui a donné les idées. C'est vous qui l'avez fait. Je vais pas pouvoir scraper le contenu, faudra que je... En fait ça va marcher à l'aide d'une base de données que je vais devoir moi-même créer en fait. Alors... Hop. Ok. Imagine donc que ce soit comme ça. Il me faut aussi une search. Moi je la vois bien en haut perso. Ok. Je vais aller chercher dans un autre projet tenu secret par l'État bien sûr. Un symbole que je me suis préparé pour l'iOS. Salut Boba Boom, salut. Fais tous les boutons, etc. avec les bords arrondis. Ouais, pourquoi pas, on va voir. Tac. Tac, je viens de copier-coller deux éléments intéressants que je vous montre sous vos yeux ébahis. C'est un petit setup que j'ai fait qui contient des claviers et des status bar. Status bar bien sûr qui vont me servir ici. Ah, apparemment non. Ah si, elle est tout en bas. Hop, comme ça, bim. Bim boum. On va juste la mettre en blanc pour gagner du temps. Ça doit être là. Impeccable. Impeccable. Voilà. Alors. Hop. Alors, comment on va faire? Salut Julio. Je kiffe ta casquette, merci beaucoup. On va tester ça, voir ce que ça donne. Voilà, c'est un truc assez basique, c'est une base, on va dire. Hein, mais au moins, ça a le mérite d'eggs. Mais du coup, comment on fait? Donc ça, ce serait, par exemple, si on compare avec ça, c'est la page d'accueil actuelle. Qui va quand même mettre beaucoup en avant de la photo. Et je vais pas vous mentir, ça, je pense qu'ils ont bien raison. Du coup, comment on pourrait faire, nous, pour redesigner un peu ça? Est-ce qu'on chauffe à faire ça? Est-ce qu'on va chercher des photos de série?
Bande son de Breath of the Wild, ouais, tout à fait. La BO de Breath of the Wild, exactement. Par exemple, si on prend la série Elite. Après, je trouvais pas des photos qualitatives à chaque fois. Ouais, oh, quoique, marrante celle-là. On peut essayer. Ok. Du coup, l'astuce est de faire un masque. Du coup, comment on fait un masque dégradé? On prend une forme. On met dedans un dégradé. Alors, je sais plus s'il faut aller du noir au blanc ou du visible au transparent. On va grouper et on va faire un masque. Ok, il semblerait que ce soit plutôt pas du noir au blanc, mais du noir au noir transparent. Voilà, parfait. Voilà. C'est un peu la technique qu'on avait utilisée sur Tellington. Hein. Voilà. Hop. Hop là. On reconnaît quand même ta petite patte, oui, après, c'est sûr. Petite question, pourquoi faire un masque pour faire un film directement sur l'image? Bah en fait, l'image, elle va venir d'une base de données, donc tu maîtrises pas. Tu maîtrises pas son style. Donc c'est à toi de la traiter de façon dynamique. Donc il faut imaginer. D'ailleurs, ça, tu vois, ça, je suis même pas sûr que je saurais le faire dans Bravo Studio. Faudra peut-être que je fasse un PNG par-dessus. Mais bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Ok. Tout est bien positionné là. Ok. Je tente un truc ici, je vais mettre un petit contour. Parce que je trouve qu'on le voit pas assez. Ça, je pourrais pas le faire, donc je vais pas le faire. J'aurais pas accès à ce genre d'effet. Ça sert à rien que je le fasse. On va faire un truc plus classique. Hop. Dark Grey. Hop. Hop. Salut Nova. Ok, donc ça pourrait ressembler à ça. Je trouve que le search, il est plus fin que les autres. Alors, est-ce que c'est pas la bonne icône que j'ai utilisée ou il est vraiment plus fin que les autres? Oui, il n'a pas l'air plus fin que les autres. Je sais pas pourquoi je le trouve plus fin.
Je sais pas, ils ont l'air plus épais. Ouais. Je sais pas. Salut, je viens d'arriver. Pour ce genre de design, tu penses à l'UX par co-utilisateur et ça, est-ce qu'il y a derrière ou c'est purement visuel? En vrai, là, ni l'un ni l'autre, parce que, comme je t'ai dit, ça va être un redesign que je fais plus pour essayer de le faire en no-code après. Donc je t'avoue que je pense aussi beaucoup à... Je pense aussi beaucoup à comment je vais pouvoir le faire en code. Donc ça fausse un peu le truc quand même. Enfin, ça fausse un peu le truc. Je le fais pas pour les mêmes raisons, tu vois ce que je veux dire? Non, là, je pense à faire... En vrai, là, je pense surtout à m'amuser. Je pense surtout à me faire plaisir. Tu peux jamais rentrer dans les vrais contrats de projet quand tu te fais un petit redesign un peu solo. C'est compliqué, quoi. Si tu vois ce que je veux. Je sais pas si tu vois ce que je veux. Ouais. Un bâtard. Ah si, je sais comment je vais faire. Ah non, je peux pas. Donc on va faire comme ça. On verra plus tard. Cute cette icône play. Incroyable. Elite. Désolé, je parle pas beaucoup. Salut tout le monde, ça va bien? Mais du coup, les contraintes là, c'est le fait de faire un redesign ou t'en imposes d'autres? Non, bah, les contraintes, c'est faire un truc qui me plaît et que je puisse ensuite coder sur Bravo Studio, quoi. Je sais pas si tu peux appeler ça des contraintes, mais tu vois le genre, quoi. Ok. On va faire une variante.
Hop. Elle, on va l'appeler horizontal. Non, on va faire différemment. On va prendre la propriété, on va l'appeler horizontal. Elle sera sur yes. Il sera sur no. Là, les contraintes, c'est vraiment le plaisir, hein, je vous le dis tout de suite. Tu t'inspires de l'application existante. Ouais, au moins pour les contenus, en fait. Que se passe-t-il, monsieur Stan ? Ouais, il y a un sujet d'alignement dans les icônes à cause de la police. Qui est un line 8 qui est pas bon. Donc on va voir ça plus tard. Salut, Mr. William. Peut-être changer de police, hein. Hop. Du coup, ça. Alors, quand on est en vertical, déjà, il n'y a pas de padding. Et ça, ce sera, je pense, en 11 ou 13. Non, par contre, la largeur, what the fuck. Hug. Voilà. Donc, du coup, je reviens sur ce que je dis. Il y aura peut-être un petit padding quand même. Voilà. Et du coup, regardez, je peux faire changer mon bouton. Bim, bam, bim, bam, boum, bim, bam, boum, bim, bam, boum, bim, bam, boum. Coucou Mathieu, regarde dans les options de police si t'as pas un use new rendering method. Ouais, je vais regarder, ça m'intéresse parce que c'est vrai que cette fonte elle a une line 8 chelou. Et je sais pas comment la fixe. Je vais regarder. Bah écoute, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Si vous avez vu, dites-moi, mais moi j'ai rien vu. C'est tout en bas, y'a rien, ok. Dommage. Du coup, on va peut-être la changer. On peut peut-être la changer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme police? Putain, j'ai pas préparé ça. Le texte, il est pas centré avec l'icône. Oui, oui. Oui, oui, Bobaboum, on est en train de regarder ça parce que le line 8 de la police, elle est pas clean. Et on sait pas trop le cleaner, donc je pense qu'on va changer de... Je pense qu'en vrai on va changer quoi. On va essayer la HK. J'ai envie de tester celle-là. HK grotesque. Ouais. HK grotesque. Du coup si je la mets là. Ça fera le taf pour l'instant, je pense.
Putain, on va faire comme ça, hein, c'est pas mal en vrai. Y'a une petite vibes ou pas? Rubik, ouais, Rubik, j'en ai marre, je pense. Désolé pour la Rubik, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre des boutons carrés là. Mais on peut mettre des boutons arrondis. Hein. C'est un pack que j'ai trouvé au pif Elbwitter. Pourquoi il redesign Netflix? Je sais pas. J'avais envie pour l'exercice. Et après, je vais essayer de le faire en no-code. Plus tard dans le mois de juillet. Du coup, là, je prépare un petit peu, quoi. Le tout, c'est que ce soit esthétique. Comme ça, on fera un beau codage après. Enfin, un beau no-codage, si je puis me permettre. On essaie des petits radius, alors. Complètement radius. Non. Petit radius comme ça, ouais. Un petit radius banané, quoi. J'adore les petits radius banané, moi. Banané, bonne santé, bien sûr. Quatre. Et ici, je mettrais bien 8. Et ici, je mettrais bien 16. Ouais, c'est pas mal. Magnifique. C'est très bien. Un peu de changement, ça fait pas de mal. Stop le O button radius. Ouais, après on va voir. Ça se rechange facilement, c'est un symbole. Ça marche bien le design en freelance ou c'est galère? Je sais pas, je fais pas du design en freelance personnellement. J'ai fait un projet une fois, tu vois. Donc je peux pas te dire si c'est, un bon truc ou pas, quoi. Bah écoutez, ça fait plaisir, non? Moi j'aime bien. Je vais juste faire ça. Le background, je vais le mettre plus foncé, je pense. Ouais, c'est pas mal ça. D'ailleurs, je vais peut-être faire plutôt ça. Ouais. Ouais. Plus de hype en noir. Voilà, plus de hype en noir, les amis. Pas mal du tout. Un beau no-codage, exactement, désolé. La couleur fit avec la charte Netflix, non, mais après, comme je disais encore une fois, je me fais plaise. Tu es là pour me faire plaise. Le plaisir avant tout, bien sûr. Ok. Donc ensuite... La page d'accueil série. Non, ça, merde, ça c'est film. Du coup, il faudrait qu'on fasse un film. Non, c'est là c'est série, attendez. Série. Donc là, il faudrait qu'on fasse un film. On va essayer de faire un film un peu genre un Pixar, un truc un peu random. Un film un peu random. Salut, salut, Autrospection TV. Un film Pixar un peu beau. Toy Story 4, Coco, Sol. Sol, c'était beau, ouais, je crois. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, bien sûr, qui est un Pixar. Je vous le conseille, incroyable. Incroyable Pixar. Pardon. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est très très beau. Size large. En fait là ce que je fais, je vais pas améliorer l'UX de ouf parce qu'il faudrait un vrai travail comme vous le dites tous. Là je me fais vraiment plus plaise qu'autre chose. Je m'amuse.
J'aimerais bien lui et son chat, mais en grand. C'est pas très grand, ça. Bon, bah tant pis. Il sera tout seul. Lucas Superfilm. Ah ouais, c'est vrai que les Pixar, c'est sur Disney. Non, mais là, c'est pas Netflix, hein. C'est Bass TV, là. Là, vous êtes sur Bass TV. Oh, regardez, ça rend trop bien. Je suis trop content. Ah, en fait, on pourrait faire même un... L'appli, elle vient... s'adapter un petit peu comme ça au... à l'ambiance de l'image. Ça pourrait être beau. Tu as bien raison de t'amuser. Je demandais, moi, parce qu'à chaque fois, je sais pas si je peux prendre en compte l'UX. Oui, alors, vous inquiétez pas, c'est juste que là, je préfère répéter plusieurs fois que je fais ça pour m'amuser. Mais évidemment, si vous devez faire un projet de redesign, démarrez pas comme ça en faisant des plans de travail. Il faut analyser un petit peu les irritants de l'actuel, etc., etc., bien sûr. Allez, je payerai bien 2€ TTC, bien sûr. You want to jump in the air. Soul. D'ailleurs, est-ce que... Eccentric sitcom comédie. Oui, ils mettent vraiment pas beaucoup de texte. Ben, moi, il y aura un peu de texte, mais... On va dire maxi 3 lignes. Non, maxi 4 lignes. Une aventure saisissante. Une série détonnante de fraîcheur. Bien sûr, je suis Monsieur Ciné, bien sûr. Sur la Bastille, il y a des bonnes refs. Ouais, j'avoue, ça a l'air pas mal. Je vais peut-être m'abonner. Haletante, ouais, c'est ça. Une série haletante et détonnante de fraîcheur. Bon, bref. À propos de Paywall, comme tu viens de voir sur Allociné, quelle est ton opinion en termes du X? Bah... Mon opinion en termes d'UX, j'en ai parlé avec quelqu'un hier, sur tous les trucs de cookies, de consentement, de trucs et de machins. Merci Grougrou pour ton prime, merci beaucoup mon petit pote. Grougrou, l'artiste 3D qui a fait le générique, c'est l'heure du Dazai. Merci à toi Grougrou, ça fait plaisir, merci pour ton prime. Mon point de vue sur tout ce qui est cookies, machin, machin, c'est que aujourd'hui on se retrouve avec des sites qui commencent à avoir tous... Ils sont tous en train de coder et de mettre en page leur façon de demander les cookies, leur façon de demander le consentement, leur façon de demander les infos des gens, blablabla. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, aujourd'hui, c'est le bordel et tout le monde est en train de faire un peu sa loi. Et du coup, en mobile, en web, t'as toujours des pop-up différentes avec des règles différentes, avec des fois des prix, avec des fois des dark patterns, etc., etc. Mon point de vue, ce serait qu'à long terme, ce serait trop bien que ce soit dans la... Comme c'est la loi qui oblige à faire ça, les cookies et tout, ce serait bien que les navigateurs web, tels Safari, Google Chrome et tout, aient des widgets sur le côté, où paf, tu cliques, t'as un petit pop-up tout petit, où t'as une façon d'accepter les cookies et le consentement qui est homogène chez tout le monde, et du coup, ça te fait plus des overlays dégueulasses sur tous les sites, sur ton mobile, sur ton desk. Moi, c'est ce que j'aimerais vraiment. Voilà. C'est ce que j'aimerais vraiment, c'est que ce soit, au lieu que tous les sites doivent développer leur système de cookies et tout, que ce soit un standard et que les navigateurs implémentent ce standard et que par exemple, comme un petit plugin Chrome ou quand on disait sur Chrome, quand on disait voulez-vous accepter Flash ou je sais pas quoi là, et ben que ça fasse juste un petit truc en haut oui non. Voilà, exactement comme ça.
et bah que ce soit pareil là, ce que vous voyez là, que ce soit exactement pareil pour le consentement et les cookies, que ce soit une norme standardisée, aussi bien sur Safari que sur un autre truc. Pour éviter qu'on ait des pop-up custom de chez tout le monde avec des dark patterns de chez tout le monde. Vu que c'est la loi, moi je me dis que ce serait bien que ce soit homogénéisé dans des pop-up systems. Bah, c'est l'enfer de fermer les pop-up tout le temps, mais c'est aussi l'enfer pour les gens qui créent des sites, de à chaque fois qu'ils créent un site, de devoir passer du temps pour coder ça, quoi. Bref, vous voyez mon idée. Clipez ça. Et si un jour ça sort, on dira « Il l'avait dit. Il l'avait dit, le con. » Ok. Ensuite, on avait quoi ? La recherche. Il l'avait dit, le con. Bastille, il l'avait dit. La prophétie des cookies s'est réalisée. Quel con ce Bastille. Il est con comme un con, ce con. Quel con. Et pourquoi vous me traitez de con? Alors que j'ai réalisé une prophétie. Je sais pas, désolé. C'est vrai que c'est pas très gentil. Ou tu te bases sur WeTransfer, tu fais voir récup de... Qu'est-ce que tu dis? J'ai rien dit, il y a des cookies. Ah oui. Vu que Google abandonne les cookies, c'est bientôt fini. Oui, mais là... C'est les cookies, mais demain c'est le consentement, après-demain c'est un autre truc. Donc je pense quand même que tous ces trucs-là qui sont, entre guillemets, forcés par la loi, imposés par la loi, au lieu de demander aussi de tous les implémenter, serait mieux que... Ce serait mieux que... Comment dirais-je ? Que ce soit standardisé, quoi. Je sais pas comment dire. Que ce soit mis dans un endroit natif. Alors, back. Et c'est que mon avis, après, c'est une idée. Hein. Il est tout petit, ce back. Okay. Yo, salut Kamui9. C'est le Japon ici, ouais complètement. Bonjour à tous le Japon. RGPD c'est pas international, oui c'est vrai. Mais tu vois, bon après c'est pas impossible de faire un plugin de l'État. Non je rigole. Bref, je voulais pas lancer un débat comme ça mais c'était c'était une idée quoi. Alors là j'ai un dilemme sur la page détail. Bien sûr que Netflix lui lance une vidéo, mais moi est-ce que je vais savoir faire ça? Ou est-ce que je repars sur une photo du coup une deuxième fois? Après, je pourrais faire un gif animé ici. Pour simuler le fait que... Que ça démarre. Attendez, mais ils ont des problèmes de proportion, ces icônes-là. Elles sont petites, les flèches, non? Ouais, elles sont un peu petites. Si je mets le carrette... Peut-être mon rond qui est énorme autour. Ouais. Peut-être que c'était suffisant comme ça. Donc imaginons ici c'est un gif. Salut, salut Grou Grou. Mouah. Gros bisous à toi. T'inquiète, je pense que tout le monde est agreed avec toi sur le sujet. Oui, non mais c'est une idée, après je me dis, ce serait cool quoi. Enfin, je pense à l'expérience utilisateur on va dire. Si je pensais à de l'expérience utilisateur pure et dure, j'aurais envie de ça, on va dire. Ok.
pas de bashing, hein, c'est un proto ce que je suis en train de faire. Enfin, c'est une ideation. Faudra que je vois comment je homogénéise ces deux-là. Sachant que j'en ai fait un plus gros que l'autre, mais je le testerai dans un device pour me rendre compte. Du coup, le genre là, c'est un GIF animé. Du coup, en vrai, j'ai pas besoin de mettre de fond à ça. Mais du coup, est-ce qu'on y voit quelque chose? C'est une bonne question. Quelle heure il est? 10h29. Ok, je vais bientôt faire une pause et on va bientôt passer sur les emotes. Il va falloir faire un peu tout ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'on aura déjà un peu les boutons de préparer. Ma liste. Évaluer. Partager, etc, etc. Mais je pense qu'on va s'arrêter pour Netflix, en vrai. Sur un si petit laps de temps, ça n'est pas trop mal sorti. Hein. Je trouve que c'était pas trop mal. Voilà, après il faudra mettre des petites infos et tout. Et après, il faudra mettre... Donc là, ce sera surtout pour Bravo Studio, mais Player Full Page. Et là, bah, pour le coup... D'ailleurs, ça va être dans l'autre sens, je pense. Pour le coup, ça va être Let's Go comme ça, quoi. Voilà. Bah je suis con en fait. Quand tu pivotes le truc, il n'y a plus de notch. Donc ça, le notch, il peut s'en aller. Ah bah non, je suis con encore plus en fait. Quand tu pivotes comme ça, le notch, il est plus là. Il est juste de l'autre côté, quoi. Ah, il est juste là en fait. Hop là. Ok. Et la page de recherche, évidemment, également. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Donatien de Montazac. Bon, écoutez, c'était cool. On a bien avancé. Luna, t'es là? Luna. Luna. Le screen, c'est vraiment l'appli actuelle de Netflix. Je la trouve pas ouf. Ouais. Exactement, c'est les screens que j'ai fait ce matin. C'est vrai qu'elle est pas ouf, elle est super dense et tout. Ouais, c'est super dense. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Lunat n'est pas là. Eh bien c'est pas grave, il y aura pas de Lunat Paul. En tout cas on va passer tranquillement sur les émotes animées. Je vais faire une petite pause pour boire un coup, chercher un café. Et on se retrouve dans quelques minutes, 5 minutes maxi, pour les émotes animées. Hello, je viens d'arriver, tu fais le Figma de Netflix. Oui, mais ça vient de terminer. Tu as commencé avec Bravo. Non, Bravo sera plus tard. Hagrid ! Pourquoi pas Hagrid, Paul ? Mais je n'ai pas les logins ! Je ne suis pas admin ! Bastien ne me fait même pas confiance, c'est incroyable! Et d'ailleurs, il est parti! Il vient de se barrer, le con! Il est parti! We'll be right back.
Il n'y a pas eu de Luna de Paul. Quel dommage, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pareil. Alors, je suis de retour. Je vais fermer ce projet. Pas trop mal en vrai pour un petit début tranquille. TUI design chill, hein. Rien de fou, mais on s'est bien posé dessus, c'était cool. Quitter Figma. Et je vais ouvrir After Effects, les amis. Salut l'architecte. C'est plus que c'était les bénévoles. Comment tu vas mon gaillard? Ça va très bien. Ça va très bien. Bah ma caméra l'a bugué par contre. Vous me le dites même pas. Salut Marceau. Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Je vais aller dans le dossier OGN. Alors les amis, est-ce que vous connaissez OGN ou pas? Je ferme mon petit carnet. Est-ce que vous connaissez OGN ou pas? Salut Carcasse. Alors moi non plus je ne connaissais pas. Bah je peux pas trop vous en parler. À part que c'est un streamer depuis longtemps, je dirais. Vous pouvez checker sa chaîne sur OGN Empires. Il fait du Age of Empires classique quoi. Voilà. Tout ce que je peux vous dire sur lui, c'est qu'il a un setup d'émotes basé sur des singes. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tombé par hasard sur mon tweet où j'avais fait les émotes de Ponce. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a contacté pour tout simplement. Combien une parce que je parle tout simplement faire ses émotes animées. Donc ce n'est pas moi qui ai fait le design des émotes que vous allez voir, mais c'est moi qui vais les animer exactement comme pour Ponce. Voilà.
Donc son setup d'émote, c'est des petits singes. Il y a plein de petits singes. Voilà. Il y a aussi un petit sneaky ours messenger qu'il faudra qu'on fasse. Et voilà, j'ai quelques animations à faire sur ça. Tout simplement. Donc je sais pas si le style des dessins vous plaît ou ne vous plaît pas. Mais le fait est, c'est que je vais devoir faire ça sur After Effects. Voilà, ça a été validé avec lui. Dis-moi que t'as les fichiers sources. Alors, très bon sujet. Vous vous souvenez qu'avec Ponce, on n'avait pas tous les fichiers sources. Et avec OGN, j'ai récupéré 2 PSD sur les 5 déjà, mais les autres vont arriver. Les PSD sont des fichiers sources. Après, je ne suis pas là pour critiquer les designers d'émotes, mais j'ai pu le constater avec Ponce ou avec OGN, c'est que les émotes n'ont pas été dessinées à la base pour être animées. Ce qui fait que là déjà, on a la chance d'avoir du layer par layer. Ce qui fait qu'on a la main qui est détachée déjà, c'est une première chose. Donc ça c'est cool, bien que ce soit quand même assez peu précis au niveau des ombres, etc. Par contre, des fois, quand on enlève, par exemple, la main et les billets, on a la surprise qui est la suivante, que la tête n'est pas terminée. Donc même si j'ai les fichiers source grou-grou, on va avoir le même challenge, entre guillemets, que pour les émotes de Ponce, c'est qu'il va falloir recréer de la matière qui n'existe pas. Mais c'est pas grave, je l'ai mis dans mon chiffrage, il n'y a aucun souci. Petit dégradé à la petite coupe et le petit Van Gogh au niveau de l'oreille, voilà. Donc pour répondre à ta question, oui j'ai les fichiers sources. Et pour répondre à ta question, par exemple ici, la main n'est pas détachée par exemple là. Donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Mais voilà, et force est de constater les amis que je me retrouve encore à bosser avec des bananes. Je vais animer des fucking bananes. Point d'exclamation OGN, Sébastien, si tu veux comprendre un peu où on en est. J'anime les émotes d'un autre streamer. Je suis le seul mania qui a toujours bien architecturé et nommé. Non, moi aussi. Moi aussi, mais les métiers plus artistiques comme dessinateur d'émotes, ils travaillent plus au pinceau et c'est vrai que faire des layers, c'est un peu plus rare, je pense. Voilà, donc je peux vous raconter un peu les animations qu'on doit faire. Et il y en a des très cool, et du coup, en vrai, j'étais content. Parce que le projet était sympa. Sinon, j'aurais pas accepté. Voici le setup d'émotes que OGN m'a demandé d'animer. On a, du coup, ce singe qui doit agiter ses billets. Genre, j'ai de la thune, mon gars. D'accord ? Ça roule. On a ce petit teddy bear qui il m'a raconté que c'était le teddy bear de Messenger. Qui doit passer sa main, puis arriver genre en mode « Hello guys !» Et on a lui, qui a les yeux écarquillés, qui en fait est en mode « What the fuck I just saw ?» Et lui, il faudra lui faire un peu diverger les pupilles, faudra faire des micro-interactions un peu de malaise, ça va être marrant. Et pour terminer, il y a les deux émotes avec la catapulte et la banane. Laissez-moi vous en parler rapidement. Le but de ça, parfait, c'est dans le mauvais sens. Voilà, ce serait de faire des émotes animées où la catapulte envoie la banane, et la banane passe dans l'autre screen. Donc, quand on les met côte à côte, vous avez compris, quand on les met côte à côte, ces deux émotes collabent ensemble. Donc ça m'a beaucoup plu aussi comme projet. Je suis chaud. Donc étant donné que qu'on n'a pas encore les fichiers sources de ces deux-là, on va pas faire ça aujourd'hui. Comme avec la radio de Ponce, pas fait exprès. Exactement, carcasse. Exactement. Donc ça, voilà. Ça, j'ai pas encore reçu la catapulte. Donc on fera plus tard. Donc on va commencer par les PSD que j'ai. Donc lui, bah non, j'ai pas encore. Donc tac. Et donc il nous reste plus que par élimination. La thune. Et c'est parti, on va commencer par thune 1. Et du coup je vais mettre save as, on va se refaire un fichier.
Alors, on va appeler ça OGN, je pense. Underscore tune.psd. Ok, et on va cleaner tout ça. Donc, un arrière-plan blanc, non. Un arrière-plan noir, non. Un corps, ok, il s'appelle corps. Alors, les ombres, c'est bien ce qui me dérange le plus. Parce qu'en fait, elles sont pas liées. Elles sont liées à des objets différents que je vais dégrouper. Ça, on va l'appeler ombre main. Je pense que je vais le lier à la main plutôt. En parlant du loup, Ponce est en live. Oui, je crois qu'il live tous les vendredis, non? Je crois. Ouais, bah oui, c'est normal. Oh oui, oh oui, allez. Suite et fin de l'aventure. Oui, c'est logique. Tac. Ça, je vais l'appeler... J'ai plus de musique. Ça, je vais l'appeler ombre tête. Alors, peau. Peau. Ok, peau. Dis-moi, Basti, j'ai un gros projet d'un site quasi complet maquetté. Tu penses pouvoir faire de l'UI review ou ça ferait trop for you? Alors, Ted, en format UI review Twitch, c'est un quart d'heure maxi. On donne des petits conseils et voilà, ça reste collaboratif et gratuit en mode posé. Après, s'il faut faire des audits plus poussés, professionnels, bah après tu sais où me contacter quoi. Ça reste un vrai travail derrière ça, donc en effet, si tu veux vraiment un truc très carré, il faut pas passer. Oh là, attendez. Ok, calque 16 et ellipse 16 sont en fait l'œil gauche et l'œil droit. D'accord, on va mettre œil droit, œil gauche. Et on va dégrouper. Boum. Bouche. Bouche, c'est bien. En vrai, c'est trop cool que la bouche, elle soit avec les petites dents même. Bah bouche c'est nickel, je le laisse comme ça, c'est trop bien. Poil, alors poil pour moi c'est la tête. Je vais juste l'appeler tête. Et sourcil nez. Ouais. Nez du coup. Et merde. Sourcil. Ok, tout ça est dans un dossier tête. Mais en fait, c'est pas du tout la tête, c'est le singe plutôt. Donc on met dans singe. Ok. Ombre, c'est l'ombre de la main en fait. Et d'ailleurs, ombre main, je vais le sortir. Ça, c'est les ombres de la main. Ombre main. À gauche, ombre, main, à droite. Il y a moyen que ça on le refasse dans After Effects, mais on va les garder comme modèle. C'est quoi les UI Review? C'est des gens qui envoient leur projet. Ah, c'est quel jour? Ah oui, excuse-moi. Souvent c'est le lundi, ouais, j'avoue. Mais dès que par exemple j'ai des projets facturés, comme par exemple là ce que je suis en train de faire les émotes, où je suis payé. Enfin, ça peut bouger de jour, quoi. Parce que, bien sûr, priorité au projet payé. Donc là, il y a les billets bananes. D'ailleurs, l'ombre, elle est faite au pinceau, ça se voit. Donc ça, c'est une banane qui s'appelle luminosité contraste, bien sûr. Donc, banane. Ellipse 1. Ok. Cercle. Prio à la moula. Bah, prio aux clients qui m'ont payé, évidemment. Alors, billet 1, qui contient une drop shadow. Ah, ok. Ah, d'accord, c'est fait comme ça. Ok. Et ensuite, billet 2. Et billet 3. Ce qui m'embête avec billet 2 et billet 3, c'est qu'ils n'ont pas de suite, quoi.
Donc en fait, je vais le dessiner vite fait. En plus, ça coûtait rien de le dessiner, donc je comprends pas trop pourquoi ça a pas été fait. Même si c'est pas très précis, c'est pas grave. Je vais faire avec la plume peut-être. Bien sûr, Dithrine, hein. On est toujours dans la même optique. Dithrine à OGN, bien sûr. Où est la plume sur Photoshop SVP? Bon, à partir de là, on s'en fout de la précision. Puisque ce sera tout le temps caché. Mais Dithrine quand même. Hop. Donc ça, évidemment... It's gonna be green. Ok. Et du coup, cette shape 2, je vais la fusionner à billet 2. Est-ce que je peux faire ça? Merge layer. Ok. Mais. Ah merde, ça a mergé la drop shadow. Alors attendez. On va enlever la drop shadow, merge les layers. On va. Merge layer. Ok. Je renomme billet 2, Dithrine, et je remets l'effet drop shadow. Voilà. Et ensuite, je prends le même shape. Je la déplace ici. Ouais, non, ça ira plus vite de la refaire, on va pas se mentir. On va faire pareil pour le billet numéro 3. On enlève la shadow. Prend la plumes. Merde. Mais. Ok. C'est redevenu cette couleur, c'est pas pourquoi. Hop. Parfait. C'est un beau billet. La shape, elle est où? Elle est là. On merge avec billet 3. Et on lui remet une drop shadow. Ok. Bon. On a de quoi agiter les billets, bien sûr. Donc, billet 3. Et du coup, la banane et le cercle sont sur le billet 1. Mais en vrai, je me tâte. Je vais l'aplatir parce qu'en fait, ça va me servir à rien. Ça va juste me gêner, je pense. Voilà. Et en vrai, je vais merge. Hein. Merge d'ailleurs. Ça, j'ai vraiment mon billet. Ah merde, j'ai encore merge la drop shadow. Excusez-moi. Billet 1. Hop là. Voilà. Ok. Bienvenue, Rignark Lerickson, bien sûr. Billet 1 et pas 2. Tu as l'œil, Géberdo. Tu es plus focus que le streamer. Et ensuite la main. Elle contient ombre de la main, qui sont en fait les doigts, et la main. J'ai envie de les merger. Ça me sert strictement à rien de pouvoir faire bouger les doigts. Je renomme ça main. Je le dégroupe. Et. Pour moi. Ah d'accord, c'est pour ça. On va rester comme ça. Sachant que les ombres en avis, elles vont sauter, je vais les refaire. Ok, et dans le visage, j'ai tout ça animé. Eh ben écoutez, il ne nous reste plus qu'à refaire la tête du singe. Parce qu'on a oublié ça, mais le singe, le problème
de tête. Du coup, il lui faudra une oreille éventuellement. Ouais. Ce que je vais faire, c'est ça. Ça. Ok. Ok. On va juste aller améliorer ça, sachant qu'on va pas le voir, bien sûr. Hein, je vous rassure. Je ne fais pas tant à l'arrache que ça. On va pas le voir, on va... Fais juste ça pour sécuriser un petit peu. Faut juste voir que ça change pas la physionomie. Non, c'est bon. Juste histoire que si ça bouge légèrement, on soit pas, on n'est pas une mauvaise surprise non plus, quoi. On va prendre une petite pipette et un petit pinceau ici. Avec un gros smoothing. Voilà. C'est tout beau. Et on va merge. Hop là. Salut Johnny Cash Cash. Yo Basti. Salut New. Sais-tu quand la bêta de Fig Jam sera enfin finie? Non. Aucune idée. Ah pardon, le menton. Putain, mais c'est qui? Kiouk, merci beaucoup. Vous êtes plus focus que moi. Hop, les... Il y a un truc avec l'ombre aussi, ouais. Ouais. Mettre plus de smoothing, s'il vous plaît. Que tu fais avec une tablette graphique? Non, je suis à la souris. Je suis désolé, je suis à la souris, ouais. Ok, bah moi je vais... On va ouvrir After Effects, hein. Dire c'est le moment, hein. C'est le moment ou jamais, hein. On va voir ce que ça peut rendre dans After Effects. Il y a une raison pour ne pas bosser en vectoriel. Non. Si c'était vectoriel, j'aurais été content. C'est pas moi qui ai fait les émotes en fait. Donc je travaille avec ce qu'on m'envoie. Je crois que t'allais faire les animations sur Photoshop. Non, t'inquiète. Non, après, tu vois, pour faire une émote de 112 pixels x 112 pixels qui est déjà existante, bosser en vectoriel, ça apporte rien, tu vois. Après, moi, mon but, c'est de... que ce soit le plus fidèle à leur émote actuelle. Donc je garde le fichier source tel quel. Et s'il est refait en vectoriel, ça va tout dénaturer. Tu veux pas lui faire une propale de refonte colorimétrique? Non, non, je lui ferai pas ça, Lunat, parce que il a une vingtaine d'émotes comme ça, donc... Donc je peux pas, tu vois. Je peux pas, j'ai pas grand intérêt à faire ça. Juste à mettre dans le caca moi-même, tu vois. Après, c'est son... C'est sa charte, hein, tout est comme ça dans son truc. Donc après, il faudrait refaire ses 50 émotes. Alors, OGN, emote. Donc, ok, sauvegarder le projet. On va mettre ça dans projet perso. OGN Empires. OGN, emote. Point After Effects. Salut Noah. Alors, nous avons OGN Tune, on va voir ce que ça rend. Hop. Alors, Editable, Retain Layer Size. Juste une propale comme ça, tu vends un nouveau contrat. Ouais, non, monsieur. J'aime bien animer les émotes, tu vois. Mais je n'ai pas forcément envie d'animer, enfin de refaire un setup d'émote PNG. Alors, on avait fait quoi pour Ponce?
On était sur du 02 10 sur 20 images. Voilà. Tu vas refaire les émotes du Twitch game. En vrai, faire des émotes, j'aime pas trop. Enfin, j'aime pas trop. Si. Mais c'est pas là où je suis très fort, quoi. Par contre, animer des émotes, j'aime bien. Alors, la main est ici. Les billets sont ici. Déjà, on va mettre le centre des billets dans la main. Et on va mettre le centre de la main. Calmos, calmos, calmos. Genre ici, je pense. Comme si c'était son coude. On va lier les billets à la main. Et la main, on va pouvoir la faire bouger. Voilà. On va désactiver tout de suite les ombres qui nous serviront pas. Et c'est mes rolling qui nous serviront de modèle. Alors, tac, on a plus d'ombre, c'est bizarre, mais vous inquiétez pas. Et on va commencer à essayer de faire une animation qui va boucler. Donc, zéro ici. Cinq ici, peut-être. On essaye 5 moins 5 sinon. Donc là je mets moins 5. 5. Et ensuite retour à moins 5 par exemple. Monkey monkey, plein de billets qui tombent du ciel. Comment tu t'étais retrouvé à faire les émotes de Ponce? Il m'avait demandé par DM Twitter. Parce que j'avais posté mes émotes animées le jour de la sortie de Twitch. Du coup, ça l'a peut-être trigger. Il avait dû voir sur mon Twitter que j'avais fait ça. Voilà, c'est fini. Ça vous a plu? Cette animation est insane. Alors, il va falloir smoother ce mouvement de plein de façons. Donc, il va falloir faire bouger les billets de façon douce. On va mettre des petits retards, etc., etc. Il va falloir qu'on apprenne à faire ça, tout simplement. Je suis en train de faire nimp. Mais pourquoi je veux pas sélectionner les points? D'accord. Mal ça. Un beau secouage de billets. Bonjour, il reste d'autres émotes à faire pour Ponce. Pas du tout, c'est pour un autre streamer Black Pixel. J'ai trouvé un autre streamer voulant des émotes, bien sûr. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, faudrait mettre une genre de d'inertie retarded au billet banane, quoi. Et en vrai, je pense que je vais les choper comme ça. Tac. Et je vais les mettre là, je pense. Ce sera plus simple. On va les lier à la main. On va enlever le groupe. Oh, ça sera toujours plus facile à faire. J'enlève billet banane et on a les billets directement comme ça. Ok, donc là, il va falloir que je leur mette tous une petite inertie en retard. Donc, déjà les centres ici. Ok.
Et du coup, si t'agites un truc, si t'agites une feuille de papier. Elle a un petit. Elle se plie en même temps, mais un petit retard, quoi. Pack d'icônes, glace morphisme sur Illustrator. Ouh, ça doit pas être facile, ça. Donc, déjà, si on. Juste pour l'expérience, si on met exactement le même mouvement sur les billets. Ok, et maintenant on va essayer de les décaler. Genre, on va mettre des loop out déjà pour qu'il y ait des boucles. On va essayer de les décaler. Genre. En mode en retard, quoi. Est-ce que ça marche? Ouais, ça le fait. Regardez. Il y a un glitch sur la mèche. Ouais, il y a un glitch. Je nettoierai peut-être après, mais aujourd'hui, c'est comme ça sur le. C'est déjà comme ça sur le PSD, mais j'irai le nettoyer, je pense, ouais. Vous avez vu le petit retard, il fait plaisir, non? Regardez le petit retard des billets. Par contre, ça loupe pas ici, c'est bizarre. Pourquoi il loupe pas à la fin? Ah, il se passe quoi? Ah, il se passe rien là. Ah merde. Ça loupe pas en arrière? Pourquoi ça loupe pas en arrière? Du coup, il faudrait que je fasse. Attendez. Ok, ça loupe pas en arrière. Trop bizarre. Du coup, il faudrait que je décale tout. Genre comme ça. Et là, ça va louper. Ah, ouais, c'est bon. Nice. Alors encore une fois, je pense qu'il faudrait peut-être que je l'exagère un peu. Dans le but que ce soit bien visible en petit. J'agrandis un peu la valeur. Et... Tac. J'agrandis légèrement le retard. J'attends de recevoir ma box internet et je me lance dans le streaming. Oula, Martino Thor. C'est dommage que ses yeux et sourcils restent tristes vers le bas. Alors le visage, ouais, je vais l'animer. On va animer le visage après, ouais. On va le faire cligner des yeux. Peut-être bouger un peu la bouche. Hâte de voir ça, Martino Thor. Alors, est-ce qu'on peut voir en petit? Ouais, bonne idée. Je verrai la vitesse à la fin. Je vais le laisser lent comme ça pour l'instant. Je verrai la vitesse plus tard. Ok, allez. Maintenant le visage. On a deux, on a 60 images pour faire une petite boucle sur un visage qui possède, vous l'avez vu, un glitch sur sa mèche. Ok, je ne suis pas responsable bien sûr, mais bon, il est là. Il était déjà avant en fait. Je sais pas, je me permets de l'enlever. Ça se trouve, ça fait partie du design du personnage en plus. Je suis en train de l'enlever, mais ça se trouve, c'est sur ses autres émotes quoi. Alors, pouf. À
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur animation? Ah, au revoir le chien. Ciao le chien. Qu'est-ce qu'on peut faire sur, comme animation sur un visage en seulement 60 images qui doivent boucler? D'ailleurs, il fait 30 images, c'est n'importe quoi. Donc là, c'est singe. Je cherche la composition singe. Je la mets en 20 images par seconde. Je la mets en 2 secondes et 10 frames. Coucou Ninja. Oh non. Pas d'aboiement Ninja. Voilà. Hop. Ninja, pourquoi t'aboies? Non. Oh bah ça, elle s'en va. Est-ce qu'on tente un clignement d'yeux? Est-ce qu'il devrait pas avoir un deuxième sourcil aussi, je me demande. Bienvenue Artica. Ce calque il est hyper grand. Je suis pas sûr de faire bouger la bouche, en fait ça va faire bizarre. Un seul comme ça il fait un clin d'œil, mais il ferait un clin d'œil. Il apparaît quand la mèche se soulève. Qu'est-ce qui apparaît quand la mèche se soulève? Du coup, on peut déjà faire l'ombre de la main pour se la sécuriser. Alors, layer style. Est-ce que je la fais en layer style ou en effect? On va essayer en effect pour voir. Drop. Drop shad. Faut faire sur le. Ah, attendez. Faudrait que je regroupe tout ça en fait. Non, en fait, non, c'est bon. Attendez, je vais essayer. En fait, si. Ouais. Avec le billet 3 et la main. Ah, faudrait quand même que je précompose en fait. Précompose main et billet. Et c'est sur main et billet qu'on va mettre l'ombre. Ouais. Alors, à quoi ressemblait l'ombre d'origine? C'était un peu un truc comme ça. 90 degrés. Et je dirais il y avait un bon 75%. Hein. Peut-être moins 50. Et une distance de 24. Et aucune softness dans mes souvenirs. Ah bah je suis con, l'ombre elle est juste à côté, donc on va essayer de la faire matcher. 70%. Bienvenue Kala Kalani, bienvenue à toi. Attention au petit, tu crois qu'on le verra assez. Attention au petit, tu crois qu'on le verra assez. Le petit, je sais pas ce que c'est. C'est quoi le petit? Le petit ou quoi? Par contre, regardez, il faut que j'aille peindre la main un peu plus.
Salut Puce Phoenix. Attention, l'ombre en petit. Bah écoute, je ne sais pas si on verra l'ombre en petit. En tout cas, moi je respecte les mots originels, tu vois. Avec cette petite ombre ici, quoi. Après, c'est juste pour détacher la main du visage, hein, je pense, au final. D'ailleurs, en parlant de main, il va falloir qu'on la continue. Du coup, je dois faire 1, 2, 3. Je vais devoir aller peindre ça et après, je dois aller replacer mon layer. Ça va être la merde. Ditrine. C'est juste pour avoir du rab. Pour quand ça tourne en fait. Ditrine bien sûr. Hop. Je sauvegarde, du coup tout va se péter là. Bien sûr. Pas de soucis. Let's go. Voilà. Coucou Sacha. Je parle de l'opacité 50. En petit, on la verra peut-être pas assez. Ouais, c'est vrai, mais en même temps. Attends, il y a deux ombres là. Ah oui, ok. Comment je pourrais faire pour que celle-ci ne se mélange pas avec celle-ci? Il n'y a pas de mode de fusion en fait. Ok, il n'y a pas de mode de fusion. Et c'est bien pour ça en fait que je vais utiliser les layer style. Je me disais bien que je faisais comme ça pour Ponce, c'était pour une bonne raison. Alors, il y a plus d'options quand on utilise un layer style. C'est très bizarre d'ailleurs, mais bon, c'est pas très grave. Alors, 90 degrés, distance. Non, pas 90, du coup, c'est 180 degrés. Distance, on était sur du 24. On était en 75%. Softness, c'est bon. Après, si je mets du spread. Non, ça marche pas. Donc là, c'est bon. Du coup, j'en rajoute une deuxième. J'ai deux drop shadow, d'accord. Bah non. Je peux ajouter une drop shadow encore. Layer style. Non, ça l'ajoute pas. Du coup, je peux peut-être faire avec ça en mettant plein de spread. Plein de blur. C'est où blur? Size, voilà. Parfait. Ok. Hop. On va mettre en 12%. Ok. Pas de panique à bord. L'ombre devrait être foncée, proche du visage et plus smooth quand on s'éloigne. Ah, on pourrait faire ça, ouais. On pourrait carrément faire ça, ouais. On pourrait carrément améliorer, en fait, cette ombre. Après, faut pas que je dénature trop... comment dirais-je, l'animation d'origine. Mais en vrai, ça m'intéresse ce que tu dis, donc je vais essayer de le faire. Salut Stu. Stu.
Et vous savez pourquoi il cligne des yeux? Parce qu'il se fait de l'air avec les billets, du coup ça lui fait un peu cligner les yeux et tout. Il y a un autre truc qui me stresse, c'est ce petit pixel blanc sur sa tête. On le voit pas. C'est sûr qu'on voit un petit pixel blanc sur sa tête des fois. Peut-être pas. Je préférais quand c'était moins blur perso. On s'éloigne du style de base. Un peu blur, un peu moins, ouais. Après, je suis pas sûr que tu le verras en tout petit, mais... ouais. Un peu blur, un petit peu moins. How do you that? Like this? Oh non, non, non. I fucked up. You fucked. En parlant de ça, je me mettrais bien une petite playlist Blink-182 pour terminer cette session en douceur. C'est où ça? Parfait. A Ferris wheel full of blurry eyes and a heart of steel, always on her own, almost never real. When the novel began, the pain it won't end, even if she falls. Je préférais quand c'était moins blur, et voilà. It wanna turn back, your heart would attack, even if she falls in love. Je vais faire juste bouger ses petits sourcils, je pense. Yes, l'idée du flou est intéressante. Oh là là, merci beaucoup Tuniced pour ton premier mois. Merci pour ton niveau 1, bienvenue à toi. Tu peux jouir de tes nouvelles émotes Bastipote. Merci pour ton soutien. Ça fait plaisir. Ok, j'ai pas envie de les mettre là finalement. Ça, tac, je vais faire une boucle, tac, ça je pourrais le décaler.
Peut-être mieux là. J'ai envie de faire autre chose, attendez. J'ai fait le double sourcil, regardez. Hello Basti, tu formes des gens sur After. Ça m'est jamais arrivé, mais j'aimerais bien. Enfin, je ferai pas de formation, mais je serais chaud pour faire des coachings, tu vois. Genre, si quelqu'un a quelque chose à faire, bah je l'aide. Ah, le double coup de sourcil, j'aime bien. Oui, oui. Avec plaisir, belle découverte Twitch. En tant que dev front, j'ai hâte de découvrir l'aventure No Code concernant ton projet Netflix. Ok, bah ce sera au mois de juillet, Tunicède. Et comment t'as découvert la chaîne, dis-moi? Par hasard ou tu connaissais un petit peu d'autre part? On est au mois de juillet. Ouais, ce sera au mois de juillet. C'est ce que j'ai dit. Le stream No Code, il sera au mois de juillet. Par hasard, en cherchant du contenu texte sur Twitch. Trop bien. Ça, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir, je te le dis de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais écrire. Momo la détente, tu utilises quoi comme solution No Code? Moi je suis en partenariat, enfin je fais des vidéos avec Bravo Studio qui fait des applications mobiles Android et iOS. Ça reste quelque chose de très basique, tu iras pas super loin. Mais moi ça m'intéresse en tant que designer, je trouve ça intéressant pour faire des POC, du prototyping, des tests utilisateurs un peu poussés quoi. Bah écoutez, c'est pas mal ce que je viens de faire là. Ouais, Bravo Studio, c'est gratuit pour tester. Ça devient payant au moment où tu veux faire des builds pour les App Store. Mais tu peux faire autant d'applis Bravo Studio sur ton propre téléphone que tu veux. Après, on a déjà fait gagner des licences pas mal de fois sur la chaîne Bravo Studio, mais ce sera surtout utile aux gens qui ont besoin de. Comment dirais-je? De publier régulièrement sur l'Apple Store quoi. Voilà. Alors, bah c'est bon, on a fait cette émote, je suis très content. On a fait un peu de Netflix. On a fait un peu d'émote, c'était très très cool. Pourquoi After Effects? After Effects vient de crasher. Je vous le dis de suite, il vient de se relancer. Je vais tout de suite être transparent avec vous. Il a attendu que je passe en full page. Juste voir si j'ai rien perdu. Yes. Perso étant dev, shooter Firebase, oui, ça. Ce n'est pas du tout au même level. Hein. C'est pas le même game. Pas du tout le même game. Moi je suis très content, on a fait des petites émotes. On a fait un peu de Netflix. On a bien travaillé. Du coup moi je vais juste préparer pour la semaine prochaine le. Comment expliquer ça? Le programme pour. Justement qu'on puisse s'organiser entre ces deux projets de façon bien nickel. Pas de live cet après-midi, non, pas de live cet après-midi. J'aimerais trop me lancer dans lui, mais je sais pas par quoi commencer. Fais-toi plaise surtout, je dirais. Hein. Surtout fais-toi plaise.
Fais des trucs qui te font kiffer et expérimente des choses et tout et tout et tout quoi. Tranquillement. Fais ça tranquillement. Pas de live cet après-midi. Salut Kirakti. On a terminé. Je vais lancer le petit générique. Et si on allait faire un raid sur Justing? On va faire un raid sur Justin qui est. D'ailleurs, je crois qu'il est dev full stack, un truc comme ça. Et du coup, ce serait trop bien. On va tous lui dire salut. Salut le dev. Salut le dev. On est les designers. Ce sera le message pour juste ce tank. Vous pouvez le copier-coller lors du raid. Merci à tous d'avoir suivi ce petit Télétra Live du matin. Je reviens la semaine prochaine. Vous voyez, on a plein de projets cool à faire. Hein. On a plein de projets cool à faire. Les émotes, on a le truc Figma. Donc on n'a pas. On va pas chômer. On va pas s'ennuyer. Et en tout cas, ça me fait très plaisir de le faire avec vous. Merci à tous et à la semaine pro. Bon week-end, ciao. Allez, let's go le raid. On n'oublie pas, bien sûr. Salut le dev, on est les designers. C'est parti. Let's go le raid. À la semaine pro, les amis. Ciao. C'est ça. Hein. Franchement, la police, hein. Le gouvernement. Non, j'ai eu pire, un camion dont le pneu pète sur l'autoroute. Oh là là. Oh, j'en bastille. Oh, jure. Salut le dev, on est les designers. Salut Basti, comment ça va bien? Je suis... Bonjour, nous sommes des devs, et vous êtes les designers. Oh d'ailleurs, c'est marrant, c'est exactement... c'est très très marrant que tu arrives. Merci pour le raid et bienvenue à tous hein, d'ailleurs. Merci beaucoup. Aujourd'hui on va faire...